On en compte 440 sur l'ensemble du territoire national. Les missions locales ont une utilité public. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Je reçois aujourd'hui Gauthier Bois, chargé de projet emploi à la mission locale Westheure. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous commencer par nous rappeler brièvement ce qu'est une mission locale, clairement quels sont ses objectifs ? Alors, la mission locale, nous sommes spécialisés auprès des jeunes de la tranche d'âge de 16 à 25 ans. Donc on intervient sur différents champs, notamment l'emploi. L'aide à la recherche d'emploi, au parcours d'insertion professionnelle, l'orientation des jeunes, les conseils de toute façon pour pouvoir se professionnellement ou en termes de parcours qualifiant pouvoir s'orienter, et également tout ce qui a un lien avec la vie de tous les jours, finalement le logement, la santé, les soins, la mobilité. Voilà, donc on intervient sur tous ces champs-là. Vous êtes capable de vous adapter vraiment au public qui est face à vous sur plusieurs thématiques. Absolument, on fait un accompagnement global en fait. Et en France, chaque année, 1,3 million de jeunes sont accompagnés par les missions locales. Ça constitue tout simplement le premier réseau national d'insertion de jeunes. En quoi consiste votre travail à vous personnellement ? Alors moi, en tant que chargé de projet emploi au sein de la mission locale Westheure, donc j'interviens sur principalement donc, les territoires avec comme deux lieux principaux, Bernay et Pont-Audemer du coup. Et puis ensuite, on va donc du Roumois, Bourrachard, jusque Lieuvin, Pays d'Auge. Donc voilà, on a toute la zone de l'ouest de l'Eure. Et moi, j'interviens pour pouvoir faire de la relation aux entreprises, pour pouvoir organiser des événements pour l'emploi des jeunes, voilà, et puis suivre bien entendu les mesures pour l'emploi et porter justement tous les dispositifs d'aide à l'embauche. Et comme vous, 12 980 professionnels de l'insertion des jeunes travaillent pour les missions locales à travers le pays en 2018, d'après le système d'information IMILO. Depuis plus d'un an, plus de 14 mois même, avec la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, les relations entre les jeunes sont limitées, certains peuvent mal le vivre. Comment vous êtes-vous adapté à ça ? Comment est-ce que vous gardez le contact avec ces jeunes ? Ça a été un choix de la structure, une volonté dès le départ, dès la fin du premier confinement, en fait, où là, du coup, on a passé un peu comme tout le monde, des mois un peu compliqués, mais ensuite, on s'est mis à favoriser, justement, le retour le plus possible des jeunes en présentiel au sein de la mission locale. Donc, on s'est adapté, bien sûr, en individuel, notamment sur rendez-vous. Maintenant, on reçoit aussi sur le flux, en individuel. Et puis, ces deux dernières semaines, par exemple, on faisait que de l'entretien à distance sur des groupes, par exemple, de garantie jeunes en visio. Et puis là, petit à petit, on réintègre justement des petits groupes avec des jauges, bien sûr, et toutes les règles sanitaires. Mais c'est important pour les jeunes. Ils sont contents qu'on soit ouvert et qu'on reste là, présent pour eux. Oui, j'imagine que c'est vraiment important pour eux. Est-ce que vous avez justement pu remarquer des signalements de détresse chez certains jeunes du département ? Alors j'en ai échangé un petit peu avec les collègues, puisque donc moi je suis en relation avec des jeunes, mais pas en suivi directement avec eux, ce sont plutôt mes collègues qui les accompagnent directement en groupe ou en face à face. Et pour en avoir échangé un petit peu avec eux, il y a certaines situations, bien entendu, qui se sont un petit peu dégradées, notamment intrafamilial, mais parce que déjà à l'origine, c'est vrai qu'il pouvait y avoir des complications. Mais surtout, ce qui ressort des jeunes, c'est ce manque de contact, la solitude un petit peu, de rester enfermé chez soi, de manquer d'activité sportive, physique, et de liens, vraiment. Donc c'est pour ça qu'on a voulu garder ça. Les liens sociaux, puisque c'est une crise sociale, mais aussi très contraignante pour les jeunes qui souhaitent intégrer le monde professionnel. Sur votre site, on trouve le hashtag « Un jeune, une solution ». Expliquez-nous cette campagne. Alors, un jeune, une solution, ça fait partie du plan de relance, et donc le volet pour les jeunes, c'est un jeune, une solution. Et donc là, il y a toute une liste, en fait, de mesures, par exemple les aides à l'embauche principalement, donc ça c'est les mesures phares avec les contrats aidés, parcours emploi compétences, les aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, les aides sur l'alternance par exemple. On a également, en termes de prise en charge, une augmentation sur de financement pour les garanties jeunes, qu'on appelle les GJ en fait, donc un programme pour pouvoir soutenir les jeunes dans leur recherche d'emploi de façon intensive, d'entrée aussi de financement en parcours d'accompagnement contractualisé en fait d'accès à l'emploi et à l'autonomie, donc des financements supplémentaires, des services civiques aussi, il y a eu une enveloppe qui a été rallongée pour ces périodes de services civiques, c'est important, et la création d'une plateforme nationale en fait pour guider, référencer les événements qui ont lieu sur les territoires et aider les jeunes au mieux dans leur insertion.
par exemple. Voilà, donc des aides qui sont venues de l'État prioritairement, mais aussi, oui. Est-ce que la région a participé ? Est-ce que vous jugez que l'État et la région ont assez soutenu la jeunesse ? Oui, clairement. C'est vrai que sur cette période-là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour les jeunes. À l'échelle locale, c'est assez visible, en fait. Parce qu'on a pu voir une augmentation du nombre d'aides en faveur des jeunes qu'on a sollicitées, en lien avec justement ces enveloppes supplémentaires. Par exemple, voilà, sur les contrats aidés, ces quatre derniers mois de 2021, de 1er janvier à aujourd'hui, quoi, quatre mois, on a doublé le nombre de contrats aidés par rapport à l'ensemble de l'année dernière, en fait. Donc oui, très concrètement, il y a des moyens qui sont mis en place. Et l'État a su aussi s'ajuster en pilotant au plus près des territoires et en écoutant nos remontées, ajuster justement ces différents critères d'éligibilité et les fonds de l'aide, en fait, sur le fond. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Oui, il y a des moyens. Ouais, des clairement. Aides donc pour toutes les missions locales de France. Je rappelle, elles sont 440 sur le territoire national, mais aussi métropolitain et ultramarin. Il y a également 6700 lieux d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dispositif pour mettre en relation les jeunes et les entreprises ? En fait, nous, quotidiennement, voilà, on a des contacts avec différents partenaires, ce qui nous permet de pouvoir répondre à leurs besoins de recrutement. Et très concrètement, on met en relation, en fait, des jeunes, soit individuellement en proposant leur profil auprès des entreprises, soit en organisant des réunions d'information collective ou des job dating, par exemple, pour pouvoir donner de l'information en global et que l'employeur ensuite puisse rencontrer des jeunes et leur proposer des opportunités. Donc ça se fait comme ça, en fait, hein, en direct. En direct, puisqu'en France, ils sont près d'1,1 million de jeunes à être accompagnés dans leur accès à l'emploi et à l'autonomie, dont 407 000 sont accueillis pour la première fois. Donc plus d'un jeune sur deux en situation professionnelle, c'est plus de la moitié. Donc qu'en est-il pour vous à la mission locale Westheure ? Alors j'ai regardé un petit peu nos statistiques là, c'est assez récente. Toujours depuis ces quatre derniers mois, en fait, on a recensé 270 jeunes en situation emploi. Alors ça veut dire en CDI, en CDD, en contrat de travail temporaire, des personnes qui ont signé des contrats d'alternance, donc apprentissage ou professionnalisation. Et pour faire référence à ce que je vous disais avant, ça représente à peu près de contrats aidés 49 jeunes depuis le début de l'année. Donc oui, c'est... Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal et il faut encore qu'on communique là-dessus et qu'on fasse en sorte que ça évolue encore positivement pour les jeunes. Et la mission locale, voilà, elle s'adresse principalement aux jeunes, mais pas que, c'est également un espace dédié aux entreprises. Expliquez-nous le principe du parrainage, s'il vous plaît. Alors le parrainage, c'est vrai que c'est un élément qui fait vraiment partie de l'identité des missions locales, puisqu'on est beaucoup à s'en saisir sur le territoire et en Normandie. Donc nous, c'est pouvoir en fait proposer à des personnes à titre individuel ou par le biais en fait d'une structure qui voudrait représenter leur organisation au sein du réseau de parrainage, de bénévolement pouvoir définir ensemble la fréquence, la durée des interventions, le temps qu'ils ont disponible à proposer pour aider les jeunes, en fait, en faisant du coaching, en leur ouvrant leur réseau, en leur proposant de s'entraîner, par exemple, à des simulations d'entretien lorsqu'on organise des événements, des job dating. Nos parrains et nos marraines répondent à l'appel et puis viennent donner un coup de pouce à ces jeunes. Voilà. Donc c'est très concret. Et si une entreprise souhaite intégrer votre réseau, comment doit-elle s'y prendre ? Toutes les entreprises sont-elles éligibles ? Toutes les entreprises, on a en fait, la typologie des parrains et marraines, c'est aussi bien des personnes en activité que des personnes retraitées, ça nous arrive. Donc voilà, on a plus de 70% de nos parrains qui sont actifs. Tout le monde peut y participer, toutes les bonnes volontés au contraire sont les bienvenues, c'est vraiment un engagement calibré selon la possibilité que les personnes ont de s'investir. Donc voilà, bon, il y a des obligations forcément en termes de, lorsqu'on commence à parrainer un jeune, il y a un programme qui se met en place, mais il n'y a pas de par année un quota à effectuer, etc. C'est vraiment selon ce que les personnes souhaitent faire auprès des jeunes pour leur donner un coup de pouce, en fait, tout simplement. Et tout le monde est le bienvenu, au contraire. Tout le monde est le bienvenu donc à la mission locale Westheure. Merci à vous, Gauthier Bois, d'avoir accepté notre invitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet mission-locale-west-heure.com et suivez l'actualité avec la page Facebook de la Miloé. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.